correction du DS de SVT. Des algues unicellulaires, les euglènes. Les euglènes sont des organismes unicellulaires chlorophylliens capables de se déplacer grâce à un flagelle qui vit dans les eaux claires des bassins. On voit sur le schéma qu'elles possèdent un chloroplaste. On utilise pour des expériences une souche sauvage S1 et une souche mutante S2 sans chlorophylle. Les milieux de culture utilisés sont M1, eau et sels minéraux, M2, eau, sels minéraux et matière organique. Voici les résultats des mises en culture à la lumière. Expliquez quels sont les besoins des souches 1 et 2, justifiez votre réponse. Capacité s'informer. La souche 1 se développe dans M1 et M2, donc a besoin uniquement d'eau et de sels minéraux. La souche 2 ne se développe que dans M2, donc a besoin de matière organique, d'eau et de sels minéraux. Si on avait placé les cultures à l'obscurité, quel résultat aurait-on obtenu? Refaire un tableau de résultats. Compétences réalisées et raisonnées. La souche S1 dans M1 à l'obscurité ne peut pas réaliser la photosynthèse, donc pas de source de matière organique, donc pas de développement. Pour les autres conditions, pas de modification. Voici le nouveau tableau de résultats à l'obscurité. En M1, les euglènes S1 meurent. Les euglènes S2 mouraient déjà. Il n'y a pas eu de changement. En M2, il n'y a pas de changement. Quels échanges gazeux aurait-on enregistré pour les souches 1 et 2 à la lumière et à l'obscurité? Construire un tableau pour répondre. Justifiez votre réponse. Capacité réalisée, raisonnée. Différents échanges gazeux, la photosynthèse, consommation de CO2 et rejet d'O2, respiration, consommation d'O2 et rejet de CO2, ou aucun échange dans le cas des cellules mortes. À la lumière, S1 est capable de réaliser la photosynthèse, que ce soit dans le milieu M1 ou M2, donc les échanges gazeux se traduisent par une consommation de CO2 et un rejet de O2. À la lumière, M1, les souches S2 meurent, donc aucun échange. À la lumière, dans le milieu M2, les souches S2 sont capables d'assurer la respiration, donc consommation de O2 et rejet de CO2. À l'obscurité, en M1, les deux souches meurent. En M2, les deux souches utilisent la respiration, donc consommation de O2 et rejet de CO2.